Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lonishmat Amramiona Ben Khana, Peggy Batester, Nissim Ben Ahuda, Michael Novikov, aussi les refouettes, Ruth Batkolodin, Traina, Sim Rabat Masoudi Betor, Charles Rolix, Rana, si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secrète et douillot, Perik Bet, Mishnah Vav, Shlosha Devarim Amar Rabbi Ishmael, Velo Hodalo Rabbi Akiva, Hashum, Vea Bosser, Vea Melilot, Shiriskan Mibe Odium. שרבי ישמעאל אומר, יגמור משתחשך, ורבי עקיבא אומר, לא יגמור. On parle de הלכות שבת, cette fois-ci, avec, on va d'abord lire, traduire, שלושה דברים אמר רבי ישמעאל, trois choses a dit רבי ישמעאל, ולא הודה לו רבי עקיבא, et רבי עקיבא n'a pas été d'accord. D'abord, רבי ישמעאל était un des תלמידים de רבי עקיבא, comme ça se rapportait dans Rambam, ici. Et en théorie, la halakha devait être établie comme Rabbi Akiva. Et malgré tout, Rabbi Ishmael a dit trois choses devant Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a pas été d'accord. Et malgré tout, la halakha est établie comme Rabbi Ishmael. Et qui sont trois cas de Shabbat. Hashum, l'ail, vea boser. A boser, c'est les grains de raisin quand ils n'ont pas encore commencé à gonfler sur la vigne. Ils sont encore tout petits, ils sont encore acides. C'est le boser. Vea melilot. Amelilot, c'est des sortes de céréales qui n'ont pas atteint, qui n'ont pas encore été atteint leur maturité. Et dans ces trois choses-là, Shiriskan Mibodium, l'usage était de faire une sauce acide un peu de ces trois produits, c'est-à-dire de l'ail ou du raisin qui était resté encore tout petit, et des Melilot, donc de ces céréales qui n'étaient pas assez cuites, on les écrasait. Et puis ensuite, on les pressait, on faisait sortir une sorte de liquide acide, et ça faisait une sauce. D'accord ? Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que ces choses-là, ça va toucher le Chod Shabbat, on va expliquer pourquoi. Rabbi Ishmael Omer Igmor Mishetar Shach. Rabbi Ishmael nous dit qu'il pourra continuer à les laisser couler depuis le coucher du soleil. Chosher, Mishetar Shach. Rabbi Akiva Omer Lo Igmor, Rabbi Akiva pense qu'il ne pourra pas les laisser continuer. Plus précisément, il y a à Shabbat un interdit de sochet, de dash, de prendre des aliments, du raisin, des olives, et de les presser pour en faire sortir leur jus. C'est un interdit de la Torah, c'est déduit de l'interdit de dash. D'accord ? Dash, c'est battre le blé, c'est le même principe. Quelque chose qui est enfoui, on appuie dessus pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dash. Maintenant, il y a, à cause de l'interdit de Dash, il y a une xéra spéciale de ce qu'on appelle Mashkin Shezavu Mibodium. Une xéra de Mashkin Shezavu, c'est utilisé dans Shulchan Aruch Siman Shinchaf dans le Chod Shabbat, Or Chaim Shinchaf. Là-bas, on parle de la xéra de Mashkin Shezavu. Soit, si j'ai du raisin qui était dans une boîte, par exemple, et le raisin s'est écrasé tout seul, et un petit peu, et puis ça m'a fait couler du jus. Je n'aurais pas le droit de boire ce jus pendant Shabbat. C'est ce qu'on appelle Mashkin Shezavu. Un mashke, un jus, chez Zavou, qui a coulé de lui-même. D'accord ? Ça, il y a un interdit. Pourquoi ? De peur que tu vas ensuite, si tu vas commencer à boire ce jus, ça va te plaire de boire du jus de raisin, tu risques d'écraser le raisin et transgresser un interdit de la Torah de presser du raisin. Donc, Chachamim ont dit, Xera de Mashkin chez Zavou, on ne voit pas ce jus qui coule pendant Shabbat. Maintenant, notre Mishnah s'intéresse à un cas particulier qui touche à Mashkin Shezavu, mais c'est-à-dire, on va voir donc ces trois produits, le choum, l'ail, ou les petits raisins, ou bien encore ces céréales, que cette fois-ci, avant de les presser, l'usage, il est d'abord de les broyer, de les écraser complètement. Une fois qu'on les a broyés et écrasés, alors, ensuite, on commence à les mettre une poutre dessus, dans le betabad, au pressoir, on pose une poutre dessus, et leur jus va couler doucement, doucement. Et la question, elle est de savoir, est-ce que ce jus qui va couler doucement pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de le boire? En théorie, il devrait y avoir apparemment une xerat mashkin chez vous. Chachamim m'ont interdit, tout liquide qui coule pendant Shabbat, tu ne le bois pas, de peur que tu vas venir à le presser. Tel est Behemet, l'avis de Rabbi Akiva. Mais malgré tout, Rabbi Shmuel pense que c'est permis cette fois-ci. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il y a une halakha particulière. C'est que si tu as déjà commencé à presser complètement, à moudre et à écraser et à broyer complètement ces produits-là, le choum, le bosser et les mélilotes, donc ces trois aliments, l'ail, le raisin ou bien même les,
ces céréales. Donc, puisque tu as déjà commencé à les broyer, depuis le moment où tu les as broyées, le jus s'est déjà décollé de la bulbe où il était. Certes, il n'est pas encore sorti, mais il s'est déjà décollé. De ce fait, même si tu en venais à le presser complètement, tu transgresserais plus l'interdit de presser de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est uniquement lorsqu'il est enfoui dans sa bulbe et que tu appuies dessus et ça coule. Mais si, quand tu l'as broyé, alors il s'avère qu'il t'a déjà séparé le jus, seulement il est resté mélangé dans tous ces résidus de bosser ou de choum ou de mélilote. Et maintenant, le problème, c'est que tu écrases en fait juste pour faire sortir ce qui est déjà séparé de lui. Puisqu'il n'y a plus d'interdit de dash, alors Rabbi Shmuel te dit, écoute, il y a un interdit certes des Rabbanan de presser, malgré tout, donc on ne va pas te permettre de le presser, mais si ça coule de lui-même, tu auras le droit de récupérer ce jus et de le boire, c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Si déjà on a une Mishnah courte, on n'a qu'à faire très rapidement le Bartanura, Mélilot, c'est les petites céréales, c'est Shibolim, des épis, donc des céréales, Shelo Bishlo, Shelo Bushlu Kol Tzorkan, qui n'ont pas été mûris assez. Veto'anan ba'avanim ou mashkezav mehen vetovelbo. Et on les fait écraser par des pierres, et le jus en coule d'elles, et puis après on récupère une sorte de jus, et qu'on trempe dedans. Alors Rabbi Shmuel nous enseigne que Igmor me'achar shriskan vechitetan me'erev Shabbat, puisqu'il les a de toute façon déjà écrasés, broyés, depuis la veille de Shabbat, alors Igmor ve Yochal be Shabbat, il pourra le laisser continuer à couler pendant Shabbat et le récupérer pour le boire. Velo damine mashkin shezavu shasurin gzera shama isrot. Et ça ne ressemble plus à la lacha qu'on a évoquée de mashkin shezavu, les jus qui coulent pendant Shabbat du raisin qu'on n'a pas le droit de boire, qui a une gzera de ne pas les boire de peur qu'on va ensuite être amené à les presser. Pourquoi? Deacha, car ici, afilu isrot le kaisura des oraita. Même s'il va finalement presser, franchement, il n'y aura pas d'interdit de la Torah il ne transgressera pas d'interdit de presser. De ce fait, tu ne vas pas faire une xéra d'interdire le jus qui coule de lui-même de peur qu'il va venir en presser. Mishum de Mashkin a tout mimélé, car ce jus vient de par lui-même, comme on a expliqué. Et Rabbi Akiva pense que l'oïgmor, que dès les rôles, la charche qui est déjà, mais il ne pourra pas le laisser continuer à presser pendant Shabbat s'il a l'intention de venir le prendre pour le boire pendant Shabbat. Des Asourines qui chargent Mashkin Shezavu, car là, ils sont interdits comme tout le décret de Mashkin Shezavu. Et on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.